Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cuisine des gourmands, celle du Palais des Saveurs. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble des croquants aux amandes, comme les faisait ma grand-mère. Je vous les montre tout de suite en images, suivez-moi. Pour cette recette, j'ai besoin de 3 verres de farine, de 3 œufs, de 3 verres de sucre, de 3 verres d'amandes. Alors dans un saladier, je vais battre les œufs avec le sucre. Je rajoute la farine. Je termine avec les amandes. Cette pâte, je la verse sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé. Et je n'ai plus qu'à enfourner à 180 degrés. Voilà, au bout de 25 minutes de cuisson, donc 180 degrés chaleur tournante, il ne me reste plus qu'à découper en petits losanges et à réserver dans une boîte jusqu'à ce qu'ils soient dévorés. Avec les doses que je vous ai indiquées, j'ai réussi à remplir une boîte entière. Bon, je ne vous cache pas qu'il en manque un peu, hein, parce que je n'ai pas résisté bien longtemps à la tentation. Bon, et ben, en attendant, je vous souhaite un bon appétit, un bon goûter gourmand et je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir et merci de votre fidélité.